La chanteuse Lori était très en colère ce mercredi 9 mars. En effet, elle s'est exprimée sur Twitter au sujet des bombardements d'un hôpital en Ukraine. Soutien sans faille des hôpitaux pour enfants depuis de nombreuses années dans le cadre de projets associatifs, Lori a condamné les actions du président russe Vladimir Poutine. La communauté internationale s'est fortement émue d'une scène pour le moins choquante. Celle du bombardement de l'hôpital pour enfants de Mariupol, une ville portuaire du sud-est assiégée par les troupes russes. Le bilan a été établi à 17 blessés adultes sans qu'aucun enfant n'ait été touché. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont le courage est salué depuis le début du conflit, a appelé à un cessez-le-feu des Russes. Des gens, des enfants se trouvent sous les décombres. Atrocité, arrêtez ces meurtres. Ce mercredi 9 mars, si est-il la chanteuse Lori qui a pris la parole sur son compte Twitter pour dénoncer les actes atroces que subissent la population ukrainienne depuis maintenant plusieurs semaines. L'interprète de Ma meilleure amie au début des années 2000 a alors déclaré, et maintenant si est-il un hôpital d'enfants bombardé. Mais jusqu'où ira ce cinglé ?